Bonjour à tous, alors aujourd'hui une petite clé pour donner de la puissance à votre capacité à visualiser. Alors il y a des gens qui parfois me disent « Ah ben moi j'arrive pas à visualiser ». En fait, je leur pose simplement la question de se dire « Tiens, par exemple, quand vous pensez à une tomate, quelle couleur vous lui donnez ?» ou un citron, ou un pop-corn. Et l'image en fait qui vous vient tout de suite en arrière-plan quand vous y pensez, c'est déjà de la visualisation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que votre cerveau, au-delà de la dimension consciente, il y a une dimension préconsciente qui est un petit peu en arrière-plan et qui est forgée évidemment de tout un ensemble de représentations, notamment visuelles. Et quand on parle de visualisation, en fait, c'est juste ça, c'est repenser par exemple à une assiette blanche. Boum, vous la voyez. Si vous repensez à la photo de vos enfants, eh bien, vous avez une impression qui vous arrive en arrière-plan. C'est ça, la visualisation. Alors après, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut focaliser davantage notre attention sur ce à quoi on aspire. Par exemple, imaginez que demain, je voudrais gagner en confiance dans une situation et que je voudrais visualiser cette situation. Il y a quelques éléments qui vont faire une grosse différence. Par exemple, quand je me vois dans la situation, bien sûr, je peux travailler sur ma posture, comment je me vois dans ma posture, je peux me voir dans les mouvements, je peux me voir aussi dans la manière dont je vais parler, par exemple. Donc là, entendre ma voix quand je suis vraiment en confiance et puis surtout dégager cette énergie. Quelle énergie je dégage exactement quand je me sens vraiment en confiance. Et puis, si vous voulez donner de l'amplitude encore à cette visualisation, moi, je vous invite à imaginer le contexte qui est autour. Par exemple, est-ce que je suis en extérieur? Et si oui, de quoi suis-je entouré? Si je suis à l'intérieur, par exemple, dans une pièce, qu'est-ce qui est autour? Les lampes, le tapis, l'environnement. Et puis enfin, de regarder ça un peu en mode dronique, c'est-à-dire d'aller chercher au moins 3 point de vue extérieur différent, et puis enfin de refermer les yeux, et après chacun de ces points de vue, eh bien de revivre l'expérience comme si vous étiez dedans. Et vous allez voir que très très vite, vous allez donner beaucoup plus d'amplitude et de puissance à votre capacité à visualiser. Expérimentez, et puis surtout, faites-moi un petit retour dès que vous pouvez le faire, soit sous la vidéo, soit par lien. Voilà, c'était la petite suggestion du jour. Je vous retrouve très vite. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Et à très bientôt.